nous écouter. Mais je croise des tas d'autres qui chantaient nos couplets. Dans nos concerts, y'a des bruits, que des fêtes qui nous suivent. Là, les fous qui nous fuient. Mon paro, c'est du ruine. Ouais, gros, c'est du ruine. C'est des jeux, c'est du ruine. C'est des jeux, fais du bruit. C'est des jeux, c'est du ruine. Freestyle numéro 6. Freestyle numéro 6. La 25e, on est là toujours. Émission spéciale CDG Big Ziff. Ils sont en train de préparer la rime facile là. En attendant, on va passer l'intro de Ziff. Yes. Je me présente, moi c'est Ziff, je suis pas hype pour plaisanter. Viens par ici, assis-toi, ça va être explosif. Je vais faire la diff que tu me kiffes ou pas. Va y avoir des sacrés dégâts, prépare-toi, ça va péter. Hiroshima, ça fait les Yuba, ils sont que les Chihuahuas. Alors car je me roule SDR, écran de fumée, je vais les écarter. Ils sont pris dans les taux, c'est rablard noir, fragile comme de l'argile. Les baisses sur le beat ou le bitume, agile comme un chat. Je suis sur le toit, je fais mouiller des deux chats. T'es pas ça, vas-y pousse-toi, là je prends trop de ce plat, joue pas qui part. J'ai droit les recevoir, et cela dès ce soir. Il est tard, j'ai plus le temps, j'accélère, bien vénère, tu payes ou on soulève chez ta mère. C'est comme ça, un dealer Yuba. Tant qu'on sera là, on baisera toutes ces lance-balles. La Hadra te ramènera une balle dans ton écran. J'ouvre le bail, feu d'artifice, je la glisse, tutoie dans mon espère. Laisse faire l'expert, j'ai le savoir-faire, t'inquiète, ça va le faire, j'ai le flair. Et eux font que de s'empiffrer le nez, j'suis né pour dominer. Chez moi c'est inné, dans ma ville j'suis grillé, cramé, j'veux toujours plus de billets. Vrai de vrai, j'ai plus rien à prouver, c'est le mec de VMT1. Algérien, j'ai trop faim, j'fume de la frappe de mes riffs. J'te l'avais dit, c'était prédit comme un meurtre médité. J'ai médité des journées enfermées à la zone, mais l'animal fallait le mettre en cage. Dégage trop de rage, demande à Bin Laden. À cette époque, on était trois sur une aide. Maintenant, on se bat pour payer la belle-bère. La haisse, la misère, nous a forgé toute mon adolescence. Je l'ai cher, elle a l'essence. Quand j'y repense, fait d'insouciance. J'ai demandé de l'amour, je n'ai eu que souffrance. Jusqu'au jour où la roue a tourné, je me suis façonné. J'ai tapé comme un acharné. Mon seul combat, c'est contre moi, mon ami. Ennemi, on se retrouvera en enfer au paradis. Ils ont peur de gagner, ce jour pour moi sera une délivrance. De cette chaîne de vie, y'a personne que j'envie dans ma tête, c'est l'armée. J'ai construit ma propre zone, pris hélico à l'arrêt d'Afaïd. Un joint de Ouija, marque la lune, juste après j'décolle pour Neptune. Soin de m'évader, le temps m'a fait digérer le passé. J'ai pas besoin de me faire diriger, je suis chaud comme la brèche des baises. Sur l'intro j'envoie direct la nitro, c'est des GBLP en direct du ghetto plus customisé. Principe RT, non j'ai pas changé. Changé après toutes ces années, corrigé mes défauts. À ça tu rajoutes mes qualités, bienvenue dans mon univers. À travers mes vers, mes rimes, tu vas vite comprendre que je vois tout vert. Dans ma life, je suis acteur, narrateur, et à l'équipe, on brûle gardien des frères. Mais pourtant, je suis pas trop courtois, 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 courtois. Insolent comme un grenoble, 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 grenoble. Ces chaînes, rien qui s'avoise, aboie, aboie, aboie. Casse du sucre sur mon dos, mondo, mondo. Pas les couilles, j'fais mes euros, déception. M'a fait avoir la vision d'un sniper. La 25e. La 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 25e. Je le fais ton jingle moi. 22h minuit. Yeah, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit. Merci Jounès pour ce jingle raté. Ouais, c'est génial. C'est les bails de voilà. Aïe, si si. Jet lag. On est toujours dans l'émission spéciale CDG Big et Ziff.
Big et Ziv sont là, ils sont en train de préparer ouais. la rime facile. Normalement, vous avez eu 7 minutes, les gars. 7 donc minutes. on va pas trop en rajouter. Donc, je leur avais imposé 10 mots. Il y avait 7Z ou 7-0 ou 70. Mots au pluriel, smoke, barbare, automne, esthétique, CDG, scène, VLP. Et le mot de Jounès, c'était un cadeau, hein, c'était claquette. Ouais. Vous êtes chaud ou pas? Chaud, ouais. J'ai fait un truc, mais c'est compliqué quand même. Ah, c'est le jeu. Ça dit quoi? Tu veux faire a cappella ou je te balance une instru? Mais voir une petite instru, histoire de voir ce que ça dit. Allez, on y va. Yeah, yeah. La rime facile, les gars. Yeah. Je pourrais venir en claquette sur scène. Ouais. Je pourrais venir en claquette sur scène. CDG veut pas le succès. Au micro, c'est le 7-0. Au micro, c'est le 7-0. Nous on smoke les mots. Beurre blanc, barbare, esthétique, bâtard. VLP des feuilles, j'en ai fumé plus que tous les automnes. Ok, mon poteau c'est le 7-0, Big et Ziv c'est la CDG, l'instru CVLP. Trop chaud l'automne, pour nous c'est l'été. Claquette, chaussette à la barbare et gros stick. Et ouais gros, on fait pas dans l'esthétique. Yeah. Je crois que je les ai tous, hein. Ouais, on les a tous. J'étais en train de... Rime facile. The Banks. Rime facile. Je vise dans le mille. Merci les gars. Bon, vous êtes chaud pour le freestyle ou quoi? Je pull up celle-là. Style, les gars. Ceux qui veulent kicker, les gars, c'est le temps. C'est le temps de prendre possession des studios. La 25e, on est là. Jusqu'à minuit. Ne quittez pas après. On va parler un petit peu de danse avec Mams. Mais en attendant, là, on va envoyer le freestyle. Chaud. Il y a le troisième micro si vous voulez, les gars. N'hésitez pas. Prenez ça. C'est parti les mecs. Je commence. CDG. Je les épate, je les écarte, ils me écroient. Coup de gage, je les écrase, bande de nasse de la carte. Je vous rase, tu l'as mis, j'en porte tout à la tasse. Ça cartonne dans leur chatoune, ça cartonne. Ma zika est trop bonne, je lui donne, elle résonne. Jusqu'à Kingston, je meurs à l'humain jaune. Je viens de la haute zone, Hans. Transit, Allemagne, Hollande, Belgique, Zetla, Coca, 10 000, je te kebra. T'inventes pas la vie que tu n'as pas, j'arrive pas à pas à la Godzilla. Sur Rési, j'attends la BRI, mon justificatif, mon CDI. Rester au RMI, c'est comme construire sa propre zombie. Le but du jeu, c'est pas de se faire péter, mais plutôt d'enquiller. Mes coronesses ont choqué toute la tête, tire le corner. J'suis à la réception, reprise de volée, gold dans ton petit fion. J'fais vibrer les ultras, le semi le prennent, moi je le fume. Laisse-les me chauffer, ils vont se faire marbrer. J'allume la tronçonne, je vais les démembrer. Faut vous secouer, faut arrêter de rêver cette ville de zombies. Yes, a bee, j'prépare une dinguerie solo ou en équipe, t'étonne pas. J'ai une odeur de shit, chouf, j'nouf, ta pouf se touche. C'est DG. Ah! Yeah. Ouais. Ok. Ziv, Balo, Nobio. Ouh. Je suis coupable de tant de sanglots. Des couteaux, j'en ai plein dans le dos. Je peux dire vrai, pis vive dans le faux. Y'a que le bif qui nous rend beau. Elle veut ses Saint-Laurent Meurice. Elle sait l'inverse de notre vice. Être belle, ça la rend riche. Mais ces gens-là, ils sont des gens tristes. Donc, on dû péter dans la ville. Je m'éloigne comme Tariq Nabil. Voudrais plus que je la caline. Mais je suis bloqué dans ma chrysaline. Je suis créatif comme si j'ai un battu. Et pas sûr d'être sain d'esprit. Sur le terrain, j'ai rabattu. C'était pas du synthétique. Je les baisse dans les mains. Quand j'arrive, ça sent le shit, sans la peu. Sans la peu, gros, moi j'ai pas les abdos. Plata, plomo, je tire sur des photos. Rap, ta pogo, c'est des chrono. T'es dog, ça fait code, faut jeter la popote. Ça c'est dommage. Fiance, t'as mes deux mains.
pour un lagon calédonien. Toi tu me dois, me dis pas demain. Je fais confiance au Quinterien. Toi tu me dois, me dis pas demain. Je fais confiance au Quinterien. Gros, je suis dans le blasphème. Gros, je suis dans le blasphème. Je suis dans le classeux, t'es dans le K16. Je suis dans le classeux, t'es dans le K16. CDG, bang bang, CDG, bang bang, CDG, bang bang, VLP, 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 VLP. Ok, ok. Allons, on va voir la suite. On est là, la 25ème. Freestyle. Tu peux pas changer de. Ouais, ballot, ballot, ballot. Ah, ça c'est ballot. MT1 BALO, hein ma gueule. Ouh, le petit Zincou. Hein Balo. Hein. C'est Z mon pote, tu connais. Ouais, Mani. Je pull up. Ouais. Pull up, pull up, pull up. L'autre. Ah, celle d'après, excuse-moi. Celle d'après encore. Ouais. Aïe. Hey. C'est parti. Là, on va te montrer comment on fait dans le 7-0, mon pote. Check les gars, ouais, L-O-P. Ouais. Et on est pas là, ça fait 1, 2, 3, 4 ans. Ah, là, on est là, ça fait 10 ans, mon pote. Eh. Ok. Hein. Eh, la putain de vos mères, là. N.O.B. Qu'est-ce que ça raconte? Hein. Check. Ok. Ok. Hein. Venez les tous, hein. Ok. Hein. Hein. Venez les tous dans ma tête. Pull up, ça, t'inquiète pas. Commence, ouais. Qui commence? Ah, désolé, les NOB, auditeurs, on aura ta, nous. Hein. Voilà, c'est pas tous les jours on passe à la radio. Ah, c'est le tour aussi, là. check. Nobio. Hein. Chaud. Hein. NOB. Feu de PC. Hein. Hein. Feu de PC. Hein. Feu de PC. Hein. Hein. Feu de PC. Feu de PC. Hein. Hein. Feu de PC. Chaud. Flow de PC, je me démarque. Je les ai t'as vu, je redémarre. Même de dos, on me remarque. Je donne leur santos de marre. Piqué, toujours appliqué à pile au mic. Finis piqué ou par abdiqué. J'ai trop d'expérience pété, je les mets tous au piqué. Piqué, chute. Parle pas, religion, c'est pas mode. Marabout, prépare ta chute. Torse neuf, j'écris des 16 dans un igloo. Ils sont pas prêts, ils vont tous finir dans le caniveau. Comme Carino. Y'a trop de niveau. J'suis trop hal, j'suis trop fort, trop frais. En vrai, short un frigo. J'rappe pied point, j'rappe sur l'Ohigo. Même solo, j'mettrai fuego. Solo rinté, j'arrête toute carrière quand je veux. Flopper éreinté, arrête tes manières ou tu vas finir dans le feu. L-O-B. C'est le quand je kill, bleu c'est la couleur d'une quand je kick, quand je fit. Je performe la concu, je la mets, bas trip. J'écris tous mes textes, les yeux pantés, j'ai un sixième sens, en contresens. Je les baisse dans ce game normal, je la potence. Scu, j'ai des potes jeunes et puis des potes âgés. Certains se cultivent, d'autres achètent des ventes qui sortent du potager. Y'a qu'à la chicha. Tu fais des ronds PD. Eh à ouais, la base de gueule. RAP, tout c'était ça, censé ouais. Nous fédérer. Ça marche qu'avec les intérêts, ça court que pour son profit. Tralentier par jalousie, pour ça qu'on vit tous à crédit. Et ça veut faire les fous dans du frais. C'est un qui se fout de la carte vitale. Frais depuis le berceau, le game en porte à faux. RAS dans l'habitacle, tu t'aimes sur la calandre. Les flous font leur spectacle avec du faux sur la calandre. Hein. Ah ouais, ça rigole pas, ma gueule. MOB. Ça charbonne, check. Pull up, ça va. Balo. Ouais, balo. BALO, ma gueule. BALO, retiens ça, mon pote. Hein. CDG, l'émission spéciale. MT1, mon marin, ma gueule. BALO. On est là. Mon marin, c'est ZZ. On est tous dans la maison. Venez les tous, hein. Venez les tous, hein. Venez les tous. Venez les tous, dans ma tête, on est 12, hein. On est 12. Venez les tous. Hein? Ouais. Venez les tous, dans ma tête on est 12. J'ai le 9mm dans la sacoche. VW, balayou, coup de l'opinel 12. MT1, ça la plaque tournante, vas-y, passe. Haja, décale, bouge pas. Animal, ghetto, Malaga, Asba, pas devant la caméra. Giro, Condé. C'est la Barjo, j'ai la dalle, balance, rafale, toujours en place. Toujours la classe, ah ouais, c'est la base. Envoie la balle chez nous, y'a plus de plage. Fais un tour au CM, je vais serrer à la place. Ballo, ah ouais, j'ai les crocs, je connais que des barjo. Vas-y, fais de l'argent et n'en parle pas trop. Je culte ton rap avec un verre de trop, c'est la cité, non, ouais. C'est pas le ciné. Alors, fils de nuit, j'ai pas de numéro, j'ai que la famille et j'ai toutes mes douilles. Toutes ces zéro, on porte nos couilles. On porte nos couilles, toutes ces zéro, on porte nos. Eh ouais, ma gueule, j'ai pété les scores, j'suis dans les records. Elle est belle, bonne conne, mais y'aura pas d'accord. J'suis dans le bolide, j'passe les rapports. BALO, tu connais c'est hardcore pour le Hugo Boss ou bien la cause. Un mot traversé de trois coups de crosse en plein hiver, ça sort la crosse. Tu parles de moi, j'suis peut-être ton boss. Hein? Reste tranquille et gère ton poste. Tu vois de l'avant, moi j'suis dedans, j'les éviscères dans le bâtiment. Deuxième mi-temps, là j'mets les gants, la crosse roule et le toki. Hein? Ils font les bonhommes en équipe. Mais tout seul, c'est plus la même.
C'est ton pote et il te l'a mis, le lendemain tu penses lui mettre, hein. Chou. Écoute, bao, ballo, hein. Je fais pas le con, c'est que ta wellou dans ma ville, y'a que des maboules. Soit c'est le shit, soit c'est la khata, soit c'est la kahla, soit c'est la baïda, soit c'est la beuh, soit c'est la chicha, soit c'est le bif, soit c'est le kahba. Reste tranquille, je suis pas là pour la déco. 2019, je vais les mettre sur le déco, mais j'ai pas la famille, toi tu craches dans le dos. Toi tu craches dans le dos. BALO, c'est la frappe de l'Est, elle veut du bif, elle arrête ma bite. Tu es dans la cuisine, genre qu'est-ce vos piques, on me dit. Pas le continuer du fric, mais pour moi c'est qu'un putain de plaisir. On t'a les bis, ah ouais la miss. Fais pas la halal si t'écartes les cuisses. Sors ce c'est bouillant, toi et moi ça glisse. Elle est belle bonne conne mais c'est pas mon goût. 2-3 verres je lui mets son cou, je lui brise pas le cœur, je la donne aux couses. Elle est belle bonne conne mais c'est pas mon goût. 2-3 verres je lui mets son cou, je lui brise pas le cœur, je la donne aux couses. Hein, je la donne aux couses. Ballo, hein. Ballo, bah hello mon pote. Ballo, t'as tué sans mourir. Mes écrits, la street j'ai vécu bien avant Tino. Dans tes récits, les 400 coups on les a fait, les coups on les a mis, les sous on les avait. À part mes goûts j'ai plus d'amis, hein. J'me revois avec Turquie, j'remplir des pochons. Avec refour les mesures à des cochons. On m'a dit Nabil. Ah vas-y vas-y. Pull up, pull up, pull up. Pull up ça. Ouais. Chaud, là, c'est Mani mon pote. Mani mon pote. 17 piges dans les bacs. Hey. Ouais, ouais, ouais. Je suis posé dans le bat 7. Hey, 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 hey. Je suis posé dans le bat 7. Et y'a mes gars qui roulent une grosse batte. C'est sur Mani cette année, tu vas les battre. Et quand je suis au nez, poto, je tape des barres. Ouais, ouais, ouais. Hey. Bah, ferme pas là. C'est DG. 7-0, ma gueule. Chou. Je suis posé dans le bat 7 et y'a mes gars qui roulent une grosse batte. C'est sur Mani cette année, tu vas les battre. Et quand je suis au nez, poto, je tape des barres. Ferme ta gueule et agis, tu es peut-être le plus âgé. Vive ma mère, j'ai trop travaillé, mon pote, pour vous laisser passer. Écoutez, je suis dans le bolide, tu m'accueches, que je balle les couilles de Watt, je veux du cash, cash, cash. Et quand y'a les porcs, moi je me cache, cache, cache. Tu parles mal, mon pote, dans ta tâche, tâche, tâche. Fais le fou dans ta gueule, grosse baffe. Et le soir, je tirais des grosses barres. Et fais le fou dans ta gueule, grosse baffe. Et le soir, je tirais des grosses barres. Pas rien, clap tes potos. C'est le petit Mani qui tient le micro. À ce je te parle, je passe au vovo. Tu m'écoutes dans ta caisse, monte le volume. J'ai l'écriture tard, Voltaire. Je te vole sous ton nez, ton propre tard. Bye, personne, je rentre tard. La tête sur Mars et les pieds à terre. Hey, hey, gestuelle, hey. Dans ma ville, c'est toujours la même. Hey, 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 gestuelle, hey. Dans ma ville, c'est toujours la même. Hey, 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 gestuelle, hey. Dans ma ville, c'est toujours la même. Hey, 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 gestuelle, hey. Dans ma ville, c'est toujours la même. Hey, 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 gestuelle, hey. Dans ma ville, c'est toujours la même. Ouais, 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 bouge ta tête. Ce soir, c'est Mani qui gère la fête. Ce soir, elle enlève sa braguette. Hey, hey, je lui enfile ma baguette. Ce soir, elle enlève sa braguette. Hey, hey, je lui enfile ma baguette. Arrête de voir tes manières sur la tête de ma mère. Skrr. J'ai passé beaucoup de temps en bas. Ça caillait sa mère. Pilon reçu. Je détaille. C'est l'eau. Walu. C'est l'eau. Walu. Pilon reçu. Je détaille. C'est l'eau. Walu. C'est l'eau. Walu. Pilon reçu. Je suis posé dans le bat 7. Et y'a mes gars qui roulent une grosse batte. C'est sur Mani cette année. Tu vas les battre. Et que sous au nez, poto, je t'as des barres. Ferme ta gueule et agis. Tu es peut-être le plus âgé. Vine ma mère. J'ai trop travaillé, mon pote, pour vous laisser passer. Écoute, je suis dans le bolide. Je m'accueche, je balle les couilles de Watt. Je veux du cash, cash, cash. Et quand y'a les porcs, moi je me cache, cache, cache. Tu parles mal, mon pote, dans ta tâche, tâche, tâche. Fais le fou dans ta gueule, grosse baffe. Et le soir, je tirais des grosses barres. Et fais le fou dans ta gueule, grosse baffe. Et le soir, je tirais des grosses barres. Bangs, bangs, bangs. Mani, Mani, le petit chaud bouillant, les gars. On est là ou pas? 25 ans, mission spéciale CDG, on va switcher. Zama. Pour le poteau Zama. C'est parti. Hey. Ouais, c'est Zama le pit. Ok. Check son pote. Mais celle d'après. On switch, on switch. Zama. Ouais. Zama le pit. Écoute, c'est mon pote. Ok, ouais. Fais les bacs. Okay. Ouais, ouais, le sang de la veine. Eh. Ouais, le sang de la veine. Ouais, ça vient de mon peul. Ça kick à Luxeuil. Je viens nous voir. On t'accueille sur le piton mic. Je débarque avec l'accent. Sors le casque, le catin. Quand je débarque, tu te détends. Au calme, on te recouse. Ouais, on serre les coudes. La malchance nous épouse. La martelle à la paillade. Frérot, c'est le cartel. Les petits jouent les rebelles. Les petites, elles font les belles. Roya, c'est les belles. Le petit pissoli. Et il dégaine le pistolet. Mandoukou, c'est la folie. Pourri, il souffre de pistonner. On veut finir pavillonné. Nos rêves sont brisés. Faut se refaire avec un grossiste qui parlera. Si t'insistes, un gros coyon s'éclipse. On est éther, on veut le bring. Un peu comme Gaillard en foule, ce belon à les caillasses. Asta pour le territoire, dans la bouche, l'âme d'un rasoir. La rue, c'est un abattoir. Quand tu te balades, tu rases les murs. T'es pas capable, rentre chez toi, frérot. C'est l'heure de la pure, t'as fait du son sur mesure. Que vatos locos, t'inquiète, la belle est jure. T'inquiète, mental dur poseux. Si je me fais un pur, frérot, j'envoie que des rafales. AK-47 à la prod, il me régale. Puissant comme Erdogan, frérot, faut que tu savoures. L'argent n'a pas de saveur, il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est pour ça que les petits trébuchent. Trop marre, incompatine, trop marre, on nous baratine. Désolé, j'ai pas le time. Le rap, mon pastime, la vérité, j'aime pas ce type. Grave des parties, mec du sud, ouais pour moi c'est parti.
plus. Posé dans le quartier, ça se fait des passagistes. Les MC, je les prends par 10. Et fuck le 3x6, faire du rap, c'est trop facile. Je jump terre aux îles, je calcule pas ces biches, maquillé jusqu'au cils. Le pute, il te calcine la prod, je l'assassine. Va dire à l'assassin, ici, on monte à pied chez nous, pas d'ascenseur. Et pourquoi tu penses sur moi, surveille plutôt le cul de ta soeur. Ta soeur, mon pote. Chaud, hey. Zama ouais. Le pit. C'est Zama le pit. Zama le pit. Ouais, le micro. Les gars, je vais vous mettre une dernière. Je vous mets une dernière si vous êtes chaud. Personne la connaît, hein, y a pas de triche. Ok, ça marche. La 25ème, on est là, toujours, jusqu'à minuit. Ouais. Ne quittez pas. On va balancer ça. Vous êtes prêts ou quoi, les gars? Ouais. Ciao. Radio Sud, ma gueule. Besançon, Wazak Beu. Hein? M'invente pas une vie pour que tu te reconnaisses dans mes écrits. La street, je l'ai vécu bien avant que t'innoves dans tes récits. Les 400 coups, on les a fait. Les coups, on les a mis. Les sous, on les avait. À part mes couilles, j'ai plus d'amis. Hein? Je me revois avec Turkish, remplir des pochons. Avec Poulio, refourguer de la mixture à des cochons. On m'a dit Nabil, t'as un petit don, petit con. Les autres sont bidons, mais leur tous des petits ponts. J'ai toujours été discret avant de savoir kicker. You voix se retrouve devant la juge, pas derrière un micro filtré. Le soir sous rap t'as cette là, mauvais mélange. Frère au petit matin t'assumes R. Dans tes commentaires on dit que j'ai une gueule d'ange. Méfie-toi des apparences, le bail est sans. Vous êtes là sous les sangs, à l'adolescence. J'ai pas eu de grand frère, que des grands oncles. J'essayais d'être carré, chez t'en arrondissais les angles. Alors on tournait en rond, ouais on tournait en rond. Autour du quartier centre-ville à la recherche d'un pigeon. Alors on tournait en rond, ouais on tournait en rond. La deux escaliers de secours quand y'avait pénurie de pilons. Marre de vider mon sac, je vais remplir mes poches. Le rap ça paye hap, ça nourrit même pas mes proches. Parce qu'on vient pas de Paname, parce qu'on vient pas de Paname. Sous-côté parce qu'on vient pas de Paname. Les gars, vous êtes chauds, j'en balance une dernière ou quoi? On remet pull-up celle-là ou quoi? On pull-up celle-là, c'est parti. Ballot, chaud. La 25ème, il reste exactement 2 minutes 20, les gars. Dans ton dos, ils sont méchants. Ben hello, écoute ça. Dans ton dos, ils sont méchants, hein? Dans ton dos, ils sont méchants, mais devant toi, ils sont qui genre? Respecte l'argent et pas les gens, ils veulent ton bonheur, je te le confirme. Mais quand tu l'as, c'est plus la même. L'œil est maléfique, la parole est poétique. J'écoute pas toutes vos rumeurs, sinon demain j'enlève des vis. C'est plus pareil, on a dit grand, Yema, c'est fini les soucis. Sert à R de faire le grand, ça sert à R de faire le grand. Trafic, stupéfiant, fais du sale, t'avanceras bien. Mais n'oublie jamais que Dieu est grand. Principe, valeur, marche droit. Je te rassure, personne n'est parfait. La jalousie, maladie, les envieux à la pharmacie. Posé pépère, jacuzzi, belvédère, y'a ta cousine. Oh là là, elle est coquine. En plus de ça, je suis pas comique. Mais deux, trois verres, je la fais gaulerie. Je lui parle mal, puis poli. Mais bon, après, je suis dans son lit. Je casse les reins, donc c'est acquis. Beaucoup de celles à emballer. T'as le choix, faut pas couler. C'est soit Beauchamp ou bien la butte. Fais pas confiance, y'a beaucoup de putes. Pao, palo, palo, palo. Péaélo, mon pote. Palo, check, check. Palo, hein. La tête sale, ref, hein. Mani, Pull up. Show, 7-0. Spécial CDG. Renvoyer le freestyle 1. Freestyle 1 direct. C'est parti. Ok. Régal. Zama. Voilà ça. Mani au mic, hey. Zama le pitch. Big Ziff. Eh. VLP, allez CDG. Cliquer. Des sous ou quoi? Musique. Ballo. Eh. Hey. Moms. Check. 71 beats. Hey, c'est Mani avec Zama le beat. J'ai 17 piges, je vais te montrer comment on kick. Comment je suis déterminé, cet astru je vais l'enculer. Avec quelques roues sur le canapé, on se demande comment y arriver. Rien au poignet, je leur donne pas l'heure. Je suis occupé chérie, on se voit tout à l'heure. Toujours dans les bails sombres, capuché dans le bolide, tu verras que mon ombre. Capuché dans le bolide, tu verras que mon ombre. Et tu sais quoi mon pote, tellement je suis un rêve, je baisse tout le monde sans capote. Et oui mon pote, ça charbonne, ça rêve de péter le dernier Porsche. Et quand c'était la haine, je revendais la drogue sous le Porsche. Ok, ça fait. Désarme-moi le pit. Eh, ok. Eh, ok, tu veux qu'on kick à l'ancienne? Un freestyle sans thème, des rimes par centaine. Et qu'est-ce que tu boues? De poteau, tu fais de l'appel. J'passe devant et ça te gèle, c'est VLP qui t'affole. J'viens pas te parler de toll, soi-disant t'es gros bonnet. Aux arrivants, tu vas pleurer. Brasse,
l'embrasse. Y'a des frères qui sont tombés, elle a la crasse, crasse. Et elle croit que je vais la baiser en vivant l'ombre trop d'art. Y'a pas de lumière qui nous éclaire, ouais, comme les frères au mitard. Qui m'aide à rester déter, les paroles de ma mère. Et de partout, c'est la merde, on se voit tous au bord de la mer. L'argent n'a pas d'odeur, mais cette folle, elle le flaire. Mais cette folle, elle le flaire. Ah, Zama. Zama le pitch. VLP musique 34, n'est-ce pas? Et t'as reconnu l'équipe, on est Luxus City, nique sa mère les grandes villes, ouais, ouais. Show 7-0. Gros big up à la 25ème. Ouais, merci. Ouais, la 25ème, merci. Hein. Rap Besançon, dédicace. Rap Besançon, Luxeuil, qui me régale. On est ensemble. 7-0, 2-5, Banks, Banks, Offray, Okinor 4. Gros big up. Ils sont à l'ouest, nous on est à l'est. Ah ouais. Banks. Mot de la fin, big ou quoi? Merci à toi, ciao. Pas de soucis, ah, merci, les gars, vous êtes les bienvenus, les gars. Merci à la 25ème et puis ben, à la revoyure, merci à tous ceux qui ont écouté. À la revoyure, à la revoyure. Les gars, partez pas, on va faire des photos. Merci à toi. Tout ça, tout ça. Après, on passera, ouais, on passera à la deuxième heure. Bah, la deuxième, on la peut dernière encore demi-heure. Freestyle. On peut. On s'arrête pas. Yes, la 25ème, ne quittez pas, on est toujours là. On ne lâche pas jusqu'à minuit. On vous laisse avec un petit peu de son. C'était l'émission spéciale CDG, Big et Zif. Merci d'être venu directement de Vesoul. Yes. Radiosud.net 101.8, toujours comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Radio Sud. Radio Sud. On a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name, nigga, I ain't gotta say it. Taste, she can get a taste. Taste, taste, she can get a taste. Taste, taste, fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Taste, taste, she can get a taste. Taste, taste, let you get a taste. Taste, taste, do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fight me. Nigga, get your ass checked like a fucking Nike. Me not icy, that's unlikely. And she gon' suck me like a fucking high C. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch want the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitches scream. Make this bitch scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, yeah, that I mean. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. Let you get a taste. Taste, taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool. Yeah, I'ma put the drip on the plate. Yeah, diamond ice glaze, niggas imitate. Hey, hey, feed me grapes, maybe with the Drake. Slow pace in the Wraith, got this shit from base. Diamonds at the bar, the cookie hitting hard. The Roberts in par, I'm at it on Mars. Shotgun shells, we gon' always hit the tar. Popcorn, bitch, shell popping out the cartridge. 3400 outside, char bar. 4-8-8 Ferrari. Make her get on top of me and rob me like a heart. She wanna keep me company and never want to bar me. Yeah, fish tail in the parking lot. I don't kick it with these niggas cause they talk about you. Yeah, and I got the fight, don't make me spark it at you. Yeah, keep it in my back pocket like it's a wallet. Like the way she suck it like a jelly. Stuck it up and put up with the whole project. And she got that paddock on water moccasin. I'm rich in real life, I get that profit copy. She can get a taste. Let you get a taste. Taste, taste. Do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. Taste, taste. LA, you can get a taste. Taste. Miami, you can get a taste. Taste, taste. Oakland, you can get a taste. Taste, taste. New York, do you love the taste? Taste, taste. Chi-town, you can get a taste. Taste. Houston, you can get a taste. Hey, Portland, you can get a taste. Taste, taste. Overseas, let the bitch taste. Taste, taste.
taste. Worldwide, they gon' get a taste. Radio Sud. La vie de Rasta, je deviens fou. J'ai mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je repartis avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. Y'a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de Rasta, je deviens fou. J'ai mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je repartis avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. J'ai fait comme Niggas Moët. J'ai fait comme Tupac Shakur. 100K dans la mallette. Ils aimeraient shooter ma tête. Attention, ça va durer plus de 10 piges. Une fois que je pourrais la mettre. Le cœur lourd comme le poids de nos montres. Je m'en vais à 2 km. Hein le gros, on deviendra ce qu'on doit être. On deviendra ce qu'on doit être. Hein le gros, tu sais que j'ai les clés. On passera plus par la fenêtre. Hein le gros, tu sais que j'ai les clés. On passera plus par la fenêtre. Tu sais que je te vois. Regarde mon assiette. Gros fils de catin, je passe par le toit. La cagoule est sur ma tête. On opère dès le matin. Bientôt le monde est à nous. Baby, t'as ma parole. On fait tomber les cartouches sur ton équipe de salope. On ravitaille les clicos. La drogue est pure. Je veux peser comme Pablito. Je tiens plus les murs. Y'a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de Rasta, je deviens fou. Traite mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je suis reparti avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. Je l'ai fait comme Biggie Smalls. Je l'ai fait comme Tupac Shakur. Y'a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de Rasta, je deviens fou. Traite mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je suis reparti avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. J'ai fait comme Biggie Smalls. J'ai fait comme Tupac Shakur. Et surveille tes propos, oh. Tout le monde a des cojones. Je vais les baiser, baiser comme un bonobo. M'arracher à Los Angeles. Et à l'arme à feu qui est sur la moto, oh. Cas où tu toucherais la forteresse. Et même les condés veulent des photos, gros. Ils ont même pas voulu retourner la caisse. J'arrête de faire passer de 3 litres 36 et Vesky 36. Je les regarde en face, peux pas être en dessous. Moi je suis trop dans le vice. Et j'ai mis un gros watt dans la routine là. Moulin fait rougir ma rétine. Moins de combats que de copines. Monde est à nous d'après Tony. Bientôt le monde est à nous. Baby t'as ma parole. On fait tomber les cartouches sur ton équipe de salope. On ravitaille les clicos. La drogue est pure. Je veux peser comme Pablito. Je tiens plus les murs. La 25ème, on est toujours là. Y'a jusqu'à minuit. Y'a qu'un anonymat. Et la vie de Rasta, je deviens fou. Traite mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je suis reparti avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. Je l'ai fait comme Biggie Smalls. Je l'ai fait comme Tupac Shakur. Y'a qu'un pas entre l'anonymat. Et la vie de Rasta, je deviens fou. Traite mes défauts, mes atouts. Et j'entends mon nom partout. Je suis reparti avec la haine. Je voulais leur donner de l'amour. Je l'ai fait comme Biggie Smalls. Je l'ai fait comme Tupac Shakur. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là. Normalement, jusqu'à minuit. Je dis bien normalement parce qu'on vient de normalement prendre la deuxième heure pour Mams. Donc, déjà, bah, je voulais m'excuser déjà parce que du coup, on a pris un peu de retard sur la deuxième heure. Donc, avant de commencer, je voulais te dire que tu es le premier danseur à venir dans l'émission. Donc, c'est-à-dire que même au niveau des questions et tout ça, tu vois, yes. c'était pas forcément simple, mais je pense que ça va bien passer. Et à la fin de l'heure, il va nous faire un freestyle de danse à la radio. Ok, il faudra imaginer les mouvements directement. Tu vois. Faut que tu fasses les bruits. Ça peut être un concept en vrai. Eh, le chauffe pas, il va faire des stages de danse. Les gars, on fait des stages de danse, mais à la radio. Tu vois. Ok, donc ce soir, on reçoit, je vais dire Mams, mais c'est M and Dance. Yes, ça M and Dance. M et danse. Yes. Comme okay. M&M's, mais... Ouais, mais du coup, c'est M et danse. M et danse. Parce que j'ai... En fait, en recherchant, j'ai capté qu'il y avait déjà un M and Dance. Yes. D-A-N-C-E. Et j'ai dit, ah, là, il y a Anguille sous roche. Tu vois, si je commence à dire M and Dance, peut-être il va me regarder. Non, en plus, le danse, il est écrit en français, justement. Et j'ai fait exprès de ne pas écrire danse avec un C, parce que justement, les gens diraient M and Dance, tu vois. Yes. Je l'ai écrit en français, comme ça, tu dis M et danse. Comme ça, il y a le petit jeu de mots aussi, tu vois. M et danse, parce que la danse avant tout c'est respect, c'est amour, donc je voulais aussi jouer un petit peu avec ce jeu de mots là et
le début de mon prénom. Ok. Même les danseurs sont poétiques. Ah mon gars, c'est le langage du corps. Hein. C'est le langage du corps. Il a écrit un truc sur son blague. Ouais, du coup, on a la rime facile, on t'a prévu 20 mots. Exactement, vas-y, on y va, c'est parti. Ok, donc Mams, sur quel réseau on peut te retrouver? Facebook, Insta? Alors déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation avant de commencer, parce que comme tu le dis, je suis le premier danseur et je suis très honoré que vous m'ayez choisi pour venir donc participer à cette émission-là et parler un petit peu de moi. Ça fera son Tranquille. Donc ouais, par rapport au réseau, on peut me retrouver facilement sur Facebook, sur Insta aussi. Okay. Voilà, c'est principalement les deux réseaux que j'utilise le plus. Okay. Insta, c'est pas mal aussi pour les vidéos, pour l'image, tout ça. Et Facebook, ça marche aussi pas mal. Donc, c'est sous le même nom, c'est M et Danse. Donc, la lettre M et Danse. Ok. Voilà, simplement. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou... Alors, j'ai une chaîne YouTube, mais qui est très peu alimentée pour le moment. Ouais. Parce que j'ai vu que ça marchait plutôt pas mal sur Facebook au niveau des partages, tout ça. Vu qu'il y a beaucoup plus de réseaux et beaucoup plus de gens qui voient donc les publications, c'est beaucoup plus simple. En fait, YouTube, ça devient un peu compliqué avec les algorithmes, tout ça. Donc, pour le moment, Facebook, c'est très bien. Ça m'offre une assez bonne visibilité pour que les activités marchent. Donc, c'est très bien. Le gars, il maîtrise déjà les algorithmes, tout ça. Ouais, il va nous faire un freestyle à la radio. Là, il a un projet. C'est pas encore ce qu'il fait. Mais... Alors, en fait... Il y en a peut-être beaucoup qui vont se demander pourquoi un danseur. Donc on l'avait dit et redit, nous c'est la promotion de la culture urbaine. Exactement. Donc dans toutes ses formes, tu vois, moi j'aimerais bien aussi inviter des graffeurs. Yes, ça pourrait être intéressant. Voilà, développer vraiment le truc. Bon, c'est vrai que nous, notre domaine de prédilection, c'est le son, c'est le rap. Même tu vois. Hein. Moi de base, c'est le poney, hein. Toi aussi. J'ai cru que t'allais dire avant, je faisais du break. Allez, ouais, non, il a des moves en vrai. Pony gang. Il a des moves. Il a des moves en vrai. Il a des moves, mais c'est des moves. Tu vois, c'est à partir de 4-5 heures, 4-5 grammes. Exactement, exactement. Non, en vrai, moi, je suis très content d'accueillir un danseur. Tu vois, je pense que du coup, ça donnera peut-être et sûrement envie à d'autres de venir. Exactement. Et je pense que, voilà, peut-être qu'à Besançon, je ne sais pas si tu as déjà pu faire un peu de radio, pouvoir voilà, t'exprimer sur la danse. Je ne sais pas s'il y a ça. Donc, je suis très content de pouvoir le faire aujourd'hui avec toi. Et du coup, je vais passer directement aux questions. Je t'ai préparé des petites questions. Allez. Let's go. T'as quel âge, Mams? Alors, j'ai 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans au mois de novembre. Ok, bon anniversaire. Ouais. Merci, bon merci. C'est quoi, 89? Mais toi, t'es un fou. 88, je vais sur les 31, là. Ah quoi? Ouais. Tu dis des bons anniversaires, ça fait 7 ouais, mois. Ouais, ça fait... Mais non, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Tu me dis ça comme si je le voyais tous les jours. Je te le dis quand même. Je te le dis quand même. Et du coup, t'as commencé à peu près vers quel âge? Alors, j'ai commencé très, très jeune parce que c'était un petit peu... Ça faisait partie, on va dire, de notre mode de vie, en fait, de danser. Souvent pour délirer avec les frères, avec les cousins. C'est déjà bien ancré. Donc j'ai commencé, j'ai été initié super tôt. Mon père, il était aussi pas mal fan de disco. C'était un petit peu l'époque, salsa, tout ça. Donc j'étais bien initié par rapport à tout ça. Et donc j'ai commencé à faire du break un peu comme tout le monde, hein, en ayant vu Street Dancers. Et voilà, là on a créé un petit crew au Sénégal avec voilà, tout pareil, les frères, tout ça, les cousins. On a commencé à danser en autodidacte. Okay. Donc ensuite il y a eu un petit moment de break avec les études, tout ça. Puis quand je suis arrivé en France, j'ai commencé... Le break. Oui. Exactement, break. Le break dance. Hey, la poésie, on t'a dit. Ah, gars. Et du coup, voilà, quand je suis arrivé en France, j'ai repris la danse parce que j'avais un petit peu plus de temps, du coup. Et voilà, j'ai repris en 2010. Ok. Voilà. Diamonds. En 2010, exactement, avec les Diamonds. C'était notre manager à un moment. C'est Alvaro. Multivie. Ah, je te jure, c'est gros, lui, là. C'est pire qu'un chat, tu vois. Il a 8 vies, lui. Tu vois. Pire qu'un chat. Celle-là, je vais la noter, celle-là. Ok, ok. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, au début, voilà, toujours en autodidacte. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par un mec très très généreux qui est pas mal connu dans la danse à Besançon, surtout le hip-hop, qui est Monsieur Rivet, yes. d'Arcadence, qui m'a accueilli dans son école. Je me suis formé là-bas pendant quelques années.
Et voilà, maintenant je vole un petit peu de mes propres ailes et je me suis un peu spécialisé aussi dans le domaine du freestyle, okay. qui est pour moi quelque chose de très profond au niveau de la danse, tu chorégraphies pendant que tu es en train de danser. C'est okay. aussi simple que ça et du coup c'est, ça me pousse à me lancer des challenges tout le temps, à vouloir toujours progresser. Et, de fil en aiguille, ça se fait petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà, pour le moment j'arrive à en vivre, c'est très bien et j'ai des projets qui j'espère vont se concrétiser. Et voilà, pourquoi, pas essayer d'amener la danse un petit peu partout, quoi, où on peut. Quoi. Exact. Je rebondis juste sur la phrase, j'arrive à en vivre. Oui. Tu vis de ta danse. Oui, je vis de ma du danse. Du lundi au lundi, tu danses. Du lundi au lundi, je danse. Ah ouais. Ou peut-être qu'il danse qu'une fois, il danse peut-être le lundi, après il vit mardi, mercredi, et après, lundi d'après, il redanse. C'est peut-être ça aussi. Ça ne s'arrête jamais, mon gars. Il peut y avoir des trainings à 3h du mat. Non, mais là, c'est, en fait, voilà, ce que j'ai voulu ça va, ouais, ça va. Ce que j'ai voulu relever, c'est que bah, là, c'est quand même la première personne qui danse, qui vient. Mm-hmm. C'est la première personne qui arrive à vivre oui. de ça. Bah, je pense que du coup, ça souligne un truc, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup plus, entre guillemets, de facilité, peut-être dans la danse. Vas-y, j'arrête. Hein. Ouais, c'est bon. Déjà, je voulais arrêter de base, mais là. Je vais sortir une mixtape en danse, là. Ah, vas-y. Une mixtape danse. Ok. C'est non, mais concept, c'est bien. C'est bien. Parce que justement, c'était une question que je voulais te poser. Mm-hmm. Est-ce que tu vivais de ça? Oui. Est-ce qu'à côté, tu as un taf? Est-ce que tu vois? Alors, je suis auto-entrepreneur depuis 2016. Donc, au début, je faisais un petit peu d'animation en plus pour arrondir les fins de mois. Mm-hmm. Et là, depuis 2 ans, je fais exclusivement que de la danse. Lourd. Voilà, je donne un petit peu mes cours partout. Je vais jusqu'à Dole pour donner mes cours. Donc, je vais chercher le travail là où il est. Je suis sur Besançon, sur Baume-les-Dames, Pontarlier de temps en temps. Donc, voilà, on essaye de bouger un peu partout pour trouver le taf. Et puis après, voilà, c'est plus on est dans le circuit et plus après on trouve du réseau et des opportunités qui nous permettent aussi de. Le plus dur, c'est de lancer la chose, quoi. Mais une fois que c'est lancé et que ça commence à bien tourner, le bouche à oreille fait sa pub et puis. Ouais, ça se passe plutôt bien. D'accord. Donc, le conseil que tu me donnes, c'est demain, je crée une page. Moi, ça s'appellera N-Dance. 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 Tu vois, comme N-Doy, mais N-Dance. Je peux en vivre dans 2 ans. Okay. N-Dance. C'est bon, on va faire ça. On va faire ça. Ah, okay. Il faut training aussi, beaucoup à côté. Ouais, t'inquiète. Je connais, t'inquiète. Non, justement, tu connais pas. Ok. Donc du coup, M et danse officiellement oui. depuis 2016. Exactement, oui. Ok. Et du coup, je vais te demander, avant ça, est-ce que, à part Arcadence, est-ce que tu trouvais que ici, c'est les questions que je pose en général aux rappeurs, c'est est-ce qu'au niveau de la danse, il y a des structures adaptées, peut-être des assos qui bougent ou pas, quels sont ces assos, où est-ce que, je sais pas, où est-ce que tu t'es entraîné pour la première fois, je sais pas si t'es arrivé directement à Arcadence ou est-ce que, tu vois, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors, au niveau des structures, il y en a pas mal quand même. Moi, j'ai commencé dans une MJC, donc on était un groupe amateur, autodidacte, c'était notre petite activité de la semaine pour se faire notre kiff. Donc, on avait 2 créneaux à la maison de quartier de Morapon, que je remercie encore. Big up. Non, big up, fait, Lionel, si tu nous écoutes. Tu sais que lui, à chaque fois, dès qu'on dit Morapon, il fait Ah, c'est sa maison. C'était sa maison. J'ai posé la première pierre. Attends, non, mais là, on a quelqu'un, un témoin de l'époque. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles, avant, il n'y avait pas de studio d'enregistrement à la maison, là? Ouais. Il y avait pas. Ouais, si, il y en a toujours. J'ai milité pour ça. Ah ouais. Non, mais ce gars, il connaît les moindres coins de la maison. Troisième vie du chat. Ouais. On va dévoiler les 8 là ce soir. Pony gang. Ouais, donc j'ai commencé dans une MJC et après, donc il y a eu l'école Arcadence, tout ça. Puis à côté, t'as quand même des associations. Moi, je me rappelle avant, il y avait surtout l'association Rescapé. Yes. Qui était vraiment l'association qui gère un petit peu le plus la danse, on va dire, en Franche-Comté. Avec Sergio, avec Tazi. À l'époque, voilà, il y avait le Battle Energy Urbaine, exactement, qui était classé comme l'un des 10 plus gros battles de France, quand même, à un moment. Donc, c'était un sacré événement. Maintenant, l'association Rescapé n'existe plus, mais entre-temps, il y a eu l'association des Mad Boys. Nous aussi, on a créé une association à l'époque avec les Diamonds. Il y a pas mal d'associations. Il y a The Lost aussi qui existe. Il y a Hexagone dont je fais partie.
bon, qui est un peu plus pluridisciplinaire, ouais, parce que on travaille dans la danse, dans la musique, dans tout ce qui est un petit peu street art et tout, ça nous intéresse. Donc voilà, il y a quand même des associations qui se bougent, qui essayent de faire bouger les choses. Donc avec des adhérents, on essaie de donner le maximum de cours. Donc je trouve que ça bouge bien. Ça bouge bien. Puis pour trouver des locaux, souvent, on arrive quand même à se débrouiller avec la ville pour avoir une salle dans une maison de quartier ou des choses comme ça. Donc voilà, on se débrouille bien à ce niveau-là. Je trouve que ça va. Après, il pourrait y avoir plus. On peut toujours faire mieux. Oui, bien sûr, évidemment. Mais pour le moment, ça roule bien comme ça. Et je pense que l'avenir de la danse à Besançon, ça peut être quand même pas mal parce que la jeune génération est motivée et ouais, très, très talentueuse aussi. Ils ont déjà aussi. Tout pour faire, quoi, du coup. Voilà. Je vais investir, là. bientôt, la série de clips qui va tomber, là. Notre nouveau vidéaste. Yes, ok, très bien. Bon, je vois que vous avez parlé déjà. Okay. Ah, ça te regarde pas. Moi-même, j'avais une question parce que avant, je te croisais un peu dans les battles, tout ça. Yes. Parce que moi, j'aimais bien aller regarder les battles et tout. Oui. Ça. Et du coup, je te voyais danser, tout ça. Mm-hmm. Et moi, je suis pas trop. Enfin, si, j'ai déjà fait un peu du break, tu vois, quand j'étais petit et tout, mais okay. Je suis pas vraiment danseur, tu vois. Et je voulais savoir. Qu'est-ce que ça fait de participer à un battle de danse ? Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner pour ça ? Mm-hmm. Et j'ai vu que tu en as gagné pas mal aussi, tu vois. Oui, donc, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu as. En fait, c'est quoi ce délire de. C'est quoi ce délire de battle là, vous venez ou... En plus, c'est freestyle, tu vois. Ça veut dire que chacun vient avec son style, tu vois. Ça veut dire toi, tu vas venir. Tu vois, tu as des mouvements quand même très précis, mm-hmm. très sur le son et tout ça, nanana. Et tu peux tomber sur un gars complètement différent, tu vois. Donc, exactement. Je me dis en fait, c'est toi et ta chance, tu vois. Ça se peut, tu tombes sur un mec, il est. Ouais. Il est complètement ouinf ou il est extrêmement fort, tu vois. Donc, oui. Alors, c'est quoi c'est un saut dans le vide. C'est quoi en fait. J'arrive pas trop ça à. Ça peut vraiment être comparé moi, à ça. J'aurais peur, hein. Ça peut être comparé à ça parce que, en fait, quand on s'entraîne tout seul ou avec des potes, on va dire que si on est à 100% de ses moyens, quand on arrive en battle, on va être à 80% au mieux. Okay. Parce qu'il y a trop de choses à gérer en même temps. Il y a la pression du public, la pression des jurys, la pression de l'adversaire. Et puis, voilà, la musique qu'on ne connaît pas. Mmh. Donc, ouais, il y a plein d'éléments à gérer, ce qui fait que derrière, c'est un challenge, en fait. Chaque battle, c'est un challenge. ouais, vraiment, c'est cette adrénaline là aussi qui me fait vivre en tant que danseur. C'est ce stress que j'ai avant de faire un battle ou avant de monter sur scène. C'est ce truc là en fait qui est essentiel et après qu'on essaye de gérer, qu'on essaye d'utiliser aussi, par exemple pour se booster au niveau de l'adrénaline, au niveau de l'énergie, tout ça. Donc après, c'est pas simple, comme tu dis, c'est vraiment un saut dans le vide, mais on s'y habitue. Et surtout, c'est quelque chose qui est très valorisant parce que si, par exemple, moi, j'en ai déjà gagné. Mais finalement, qu'on gagne ou qu'on perde, on apprend à chaque fois dans un battle. On, mmh. On fait du réseau, on rencontre d'autres danseurs. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que c'est une confrontation, derrière, il y a énormément de respect parce que l'hip-hop est basé sur ça, que ce soit au niveau de la musique ou dans toutes ces branches. Et ça reste toujours positif. Donc, en fait, ce stress-là qui est généré, on apprend à le gérer finalement et on fait avec. On fait avec, on l'utilise limite comme une arme finalement, mmh. Voilà, pour se booster. Et on sait que derrière, bah, c'est que du kiff au final. Mmh. C'est du partage avec d'autres danseurs, avec des gens d'ailleurs. On fait du réseau et justement, on apprend aussi énormément. Moi, j'ai tendance à dire que dans une journée comme ça, dans un battle, on peut apprendre plus qu'en un mois à s'enfermer dans la salle du temps, à danser pendant X time. Donc voilà, c'est... Il y a de la meuf en plus. Non, mais j'ai on voit vidéos. Pourquoi il dansait. Non, lui, mais quand non mais tu m'as montré des il vidéos. Il dansait pas, hein, il se dandine lui. Non, moi, de la danse, c'est de la dandine. J'ai une question, parce que tu sais, tu parles de respect mutuel. Yes. Dans le hip-hop, dans le rap notamment, il y a des clashs entre rappeurs. Comment ça se passe, tu sais, des clashs entre danseurs? Il y en a aussi. Non, mais genre, je t'aime pas, machin, t'as mal parlé sur moi. Comment ça se passe? C'est direct battle. Ah ouais.
comme dans les films, quoi. Ouais. Toi, ça se reste, en fait. ça se croise en ville, toi, ok. Ouais. C'est quoi les vieux films, là, des années 50, là Break Street. Ouais, tout ça, là. Ouais, avec les vestes rouges, là. Yes. Et tout, là. Tu l'as vu, celui-là? Ouais, quoi, tu parlais à veste rouge, pour moi, c'est Michael Jackson Thriller. Ouais, tu vois, toi. Non, c'est ça, je crois, c'est Break Street, je crois. Ouais, je crois. Après, il y avait, mais ça, c'était dans un autre style encore, West Side Story. Mais c'est chelou, donc tu croises ton, toi, t'es Booba, tu croises ton Carrie, c'est un. Après, ça dépend des embrouilles. En tout cas, quand il s'agit de la danse, si par exemple un danseur vient te dire tu danses mal ou qui critique quelque chose par rapport à ta danse, moonwalk direct. Tu le défies en battle et après derrière, s'il tape, ouais, il peut te dire t'es nul, tu dis rien, tu vois. Mais si tu le tapes, par contre, il la ferme derrière, tu vois. Et encore, j'ai juste une autre question pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais. C'est du freestyle. Yes. En hip-hop, le freestyle, c'est un peu préparé, mais après, tu as de l'improvisation. Quand tu dis freestyle, c'est improvisation. Exactement. Ça veut dire que quand tu commences un mouvement, oui, tu sais pas ce que tu vas faire après. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Vous êtes des ouf. Et c'est ça qui est kiffant, c'est quand tu arrives sur une scène avec 1000 personnes qui te regardent, tu arrives, tu sais, les 3 premières secondes avant que la musique se lance, tu te dis, mais je suis complètement timbré quand même. Là, j'ai rien préparé, ça va partir. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, une fois que c'est parti, t'es dans un autre état. Ok. En fait, assimilé à de la méditation active. C'est pas toi qui pilote, quoi. Parce que... Non, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend les commandes au bout d'un moment, tu vois. On dirait qu'on est possédé. Non, on est plusieurs là-dedans. Non, mais tu sais, en vrai, ça me fait penser. Tu peux faire le parallèle de l'impro en rap. Hein. Exactement. En vrai, hein. On va dire que t'as des mouvements qui te reviennent forcément parce que ceux-là, c'est des mouvements, on va dire... c'est ta base, tu vois. C'est ton vocabulaire. Voilà. Mmh. Et après, tu vas inventer, tu vas sortir un truc. Oh, même toi, ça va te surprendre, tu vois. Exactement. Viens, toi. Oh, moi. J'ai dit claquette. claquette. Oh, t'as fait claquette. Oh, on se met à faire un freestyle en danse, frère. On va tomber par terre. On va tomber. Non. Moi, non. Je tombe. Je sais pas, je me mets en boule. Ah, il y a moyen. Ça marche, il y a des pas en boule comme ça, en break. Vas-y, bah moi, je me. Petite coupole boule et tout ça. Je me spécialise là-dedans. Vas-y. La boule. Moi, du coup, comme on parlait des battles, yes, de tout ça, j'ai vu que tu faisais pas mal d'événements, des stages, oui, notamment, mm-hmm, des scènes, festival, oui, Chien à plumes, exact, etc. Mm-hmm. Et j'ai vu que tu avais fait plusieurs participations au World of Dance. Yes. Festival à coq. Un chien à plumes, c'est un coq. Chien à plumes, c'est un coq. Ouais, mais le festival ça s'appelle Chien à plumes. Ils se sont trompés. Non, vas-y, tu peux... tu peux poursuivre. Toi, tu pourrais faire le festival du chat à moustache. Excusez-moi. Merci. Et en fait, il fait même des... Tu vois, il est danseur et il fait des effets. Il y a un projet. Non, en vrai, le World of Dance, yes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi, je me suis un peu renseigné, tu vois, et je me suis dit, ah ouais, d'accord, tu vois. Et je me suis rendu compte que même moi, en tant que juste internaute, tu vois, des fois, je regardais des vidéos de danse et en fait, c'était le World of Dance, tu vois. Et je m'en rendais même pas compte parce que je regardais pas le décor, je regardais pas ce qu'il y avait écrit, je regardais juste la danse. Oui. Et après, je me suis rendu compte que tu avais participé à ça, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, chelou, tu vois. Ah ouais, c'est pas n'importe quel événement, tu vois, le World of Dance. Clair. Donc, est-ce que tu peux, pareil, nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui savent pas? Alors, le World of Dance, en fait, c'est une compétition donc, de danse qui se déroule dans plusieurs pays. Donc il peut y avoir une étape en France, en Italie, au Portugal, il y en a dans les pays asiatiques, il y en a dans quelques états au niveau des États-Unis. Et derrière, il y a une finale qui se fait à Los Angeles. Et après, les étapes sont ouvertes à tous les pays aussi. Par exemple, quand il y a les qualifs en France, tu as tous les pays limitrophes qui vont venir. Tu vas avoir des Suisses, tu vas avoir des Belges, tu vas avoir des Hollandais, des Espagnols. Et là, c'est pareil. Donc, pour la dernière que j'ai faite, là, c'était à Lisbonne. Et donc, c'était dimanche dernier. Et pareil, il y avait des Russes, il y avait des Hollandais. Donc, voilà, tout le monde se retrouve. Et c'est une compétition de danse en plusieurs catégories. Il y a une catégorie Youth, donc c'est les petits, en gros. OK. Ensuite, tu as une catégorie Upper. Donc, c'est des groupes ou solo. OK. Ça peut aller jusqu'à 4. Et puis il y a la catégorie crew, donc où là t'as 30 danseurs qui débarquent sur scène, qui foutent le feu.
Ouais, et puis c'est une compétition qui est assez ouf, dans le sens où les gens viennent de partout pour participer. La distance ne les arrête pas. Et il faut voir sur scène comment ils se donnent aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est assez fou. Et on avait aussi surtout la chance d'avoir, comme cette année, des jurys pareils qui ont un level, mais qui n'est plus approuvé. Voilà, il y avait aussi des champions. On a parlé tout à l'heure rapidement en off du KOD. Donc, c'est un championnat mondial de hip-hop freestyle où là, tu as tous les pays qui sont représentés. En fait, c'est la Coupe du Monde de la danse. Ok. Et il y a tous les styles, il y a break, pop-in, lock-in, hip-hop. Et c'est la France qui a gagné. Il y avait des membres, justement, de cette équipe de France qui étaient jury. Ah, ok. Pour dire que, voilà. Corruption. C'était vraiment... non, il n'y avait pas que des Français, je te rassure. Et voilà, donc ça donne vraiment l'opportunité donc, de pouvoir se confronter au jugement de personnes comme ça. Dans le sens où, derrière, on peut aller recueillir des critiques pour pouvoir s'améliorer aussi. Et au final, peu importe si on gagne, si on perd. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. C'est que c'est une expérience. On se fait du réseau. Et derrière, ça nous permet aussi de progresser. Parce que c'est dans les événements comme ça aussi qu'on retrouve la niaque, qu'on retrouve la faim et qu'on a envie de retourner à la salle, de s'entraîner, s'enfermer pendant un mois. Donc voilà, c'est une grosse compétition. Moi, j'ai eu la chance de la faire 4 fois. La première fois, c'était avec Arcadence. C'est la première en France, d'ailleurs, à Grenoble, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai fait Paris, Lyon. Et là, j'ai eu la chance d'être sélectionné aussi pour le Portugal. Et pourquoi pas, peut-être d'ici quelques mois, pour un autre pays. Parce que c'est une compétition que j'aime bien. C'est sur sélection aussi. Oui, c'est sur sélection. Okay. J'allais dire, je viens, tout ça, on prend. Non, non, c'est sur sélection, oui. Alors, tu as une audition vidéo, en gros. Ok. On voit une vidéo et une description de ce que tu fais. Et derrière, tu as une réponse qui est positive ou négative en fonction de si ça correspond à ce qu'ils cherchent ou pas. D'accord. Ok. Voilà, juste pour la précision, les deux premières fois où j'ai fait en solo, parce que quand j'étais avec Arcadence, on était en groupe. Les deux premières fois où j'ai fait en solo, je suis allé en tant que... On va dire, c'était une catégorie exhibition. Donc, c'était hors compétition. C'était voilà, une catégorie... où tu faisais un showcase, okay. Mais t'étais pas noté, il y avait pas forcément une délibération à la fin. Et cette fois-ci, donc à Lisbonne, c'est la première fois où je le faisais dans la compète. C'était assez enrichissant. C'est différent, l'approche est pas la même parce qu'on a aussi la pression un petit peu de la compétition. Quand on y va en showcase, on arrive, on est tranquille. Bien sûr. Voilà, et c'était super intéressant aussi d'avoir cette approche-là. Et j'espère un jour ramener à un prix. Coupe à la maison. Allez, d'ailleurs, je voulais mettre. Et t'as fini. C'est quoi les résultats du coup de Lisbonne là? Alors, moi, j'ai pas été sur le podium. Mais par contre, ma satisfaction, c'est que donc Sonia Viegas, qui est membre de notre association, une danseuse très très talentueuse avec qui je danse énormément. On a fait déjà les Nocturnes de la Citadelle ensemble et bien d'autres projets. Et on refait encore les Nocturnes cette année. Donc, j'en profite pour balancer un petit peu la pub. Bien sûr, bien sûr. C'est entre juillet et août. C'est quoi cette histoire? Hexagone. Exactement. Et du coup, c'est des balades nocturnes. Donc, on fait ça avec l'association, avec la compagnie, pardon, Keshad, qui est gérée par Quentin Jouy. Et donc, c'est mélange entre théâtre et danse. Cette année, ce sera encore... On poussera le délire un peu plus loin. Et donc voilà, cette danseuse talentueuse avec qui je fais tous ces événements-là a remporté le 3e prix de notre catégorie. Okay. Donc on a bien représenté la France et Besançon. Bah, et Besançon, on en était super fiers. Hein, il a pris un gros chèque là, il est à Miami. Bien. J'ai vu. Ce que je te propose, c'est de faire une mini pause musicale. Let's go. Avant de te poser les quelques dernières questions qu'on avait à te poser. Ça roule. Sinza, comme t'es là, ben, je vais passer ton son. Hein. En fait, j'avais prévu plus ou moins, je savais pas qu'on allait être en retard. Tu peux lui allumer son micro. Oui, c'est fait. Ah, c'est bon. En fait, j'avais prévu de passer un son qui devait sortir demain. C'était le son de Slim Joe. Le temps, il doit sortir demain à 18h. Et je me rends compte qu'en fait, moi, je n'ai pas pris le temps de le mettre dans la clé. Alors, je le passerai avec plaisir la semaine prochaine, Slim Joe. Je te fais un gros big up au passage. Donc, je vais passer le son de Sinza. Vas-y, envoie ça. Sinza, alors attendez, avant que je mette le son, Sinza, c'est un mec qui rappe, c'est un mec qui fait des visuels, mais avant tout, il rappe. Et qu'est-ce que tu voulais dire? T'as un projet, t'as un truc là ou pas? Bah, le projet, ouais, on va voir. On bosse ça petit à petit et ça viendra courant en 2019, je pense. Ok, donc le son,
C'est tout ira mieux demain. C'est ça. Tout ira mieux, juste. Tout ira mieux. Tout ira mieux demain, après-demain. Demain, je l'ai rajouté. C'est le remix de la 25e. Ok, on balance le son de Sinza. Tout ira mieux. On fait une petite pause et après, on revient avec Mams. Il prépare son freestyle. Sinza, ODN, Marius.